Sacré vent. Papa, là-bas, un étranger. Mourir, tu m'entends? Si jamais ils l'entendent gémir, ils nous tueront pour sûr. Et ils l'auront de toute façon. C'est comme ça. J'aime mieux d'aller moi-même et cacher son corps sous le plancher. Au moins. Je cherche un homme. Un certain Hendrik. Vous lui voulez quoi? Je veux lui parler. De quoi? Donnez-moi une bouteille, quelque chose de fort. Vous devez partir. Je vous ouvre la porte de derrière. Je n'ai pas fini mon verre. Tavernier, la vodka. C'est qui, lui? Un grand guerrier, qu'on dirait, avec deux épées. Hé, hey, Blanchette, à quoi ça te sert d'avoir deux épées? Eh hey, les gars, peut-être bien qu'il planque deux queues dans son froc aussi. T'es sourd ou quoi? Dis-moi qui t'es, sinon je m'en vais te faire chanter une drôle de chanson. Une tournée générale, ça vous tente? Je peux savoir pourquoi. Ma bourse est bien remplie, voilà pourquoi. Traîne pas avec les étrangers. Un bon verre vaut toutes les présentations du monde. Ensuite, chacun reprendra sa route. Et y mène-nous ton chemin. Je fais route vers Novigrad. Hein ? Cité des putains et des fornicateurs. Qui êtes-vous ? Hein ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Je suis comme vous. Je n'aime pas boire avec des étrangers. On est des hommes du baron. Ici, t'es sur ces terres. À la vôtre, l'ami. Cul sec. Si vous voulez dormir un peu, je ne peux vous proposer qu'un banc, mais il est confortable. Je rentre. Et là, je vois le terreux avec son gars. Plutôt mignon, le fiston, si vous voyez ce que je veux dire. Je parie que le bouseux avait déguisé sa fille. Ces fils de pute essaient toujours de cacher leur buste. Merci de ne pas avoir provoqué ces ordures. En règle générale, j'évite de me mêler des affaires des autres. Vous voulez passer la nuit ici? Non. Je cherche Hendrik. Il habite à Bourlaland. Je ne vois pas du tout où c'est. C'est de l'autre côté de la colline. J'ai vu une lueur étrange dans cette direction ce matin. Sans doute un raid des Impériaux. Vous pouvez me dire autre chose sur Hendrik? C'est un drôle d'oiseau. Personne ne sait d'où il vient. Il a débarqué sans crier gare et s'est trouvé une petite veuve pour lui faire sa soupe. Les hommes du baron n'aiment pas les étrangers. Oui, c'est rien de le dire. Chaque fois qu'un étranger pointe le bout de son nez, le baron s'arrange pour disparaître quelque temps. Merci, Tavernier. Je sais que tu as une fille, mon père. Une jolie fille. C'est tout. Tu te moques de moi. L'air a quelque chose d'étrange, comme si on se trouvait dans une cave profonde par forte chaleur. Et cette brume. Thank you.
Partez, laissez-moi tranquille. Qui que vous soyez, fichez le camp. Calmez-vous, c'est fini. Oui, tout est fini, perdu à jamais. Gravé dans ma mémoire pour le restant de mes jours. Je cherche un homme du nom d'Hendrik. On m'a dit qu'il habitait ici. Oui, il habitait ici. Et c'est ici qu'il est mort. J'entends encore ses cris. J'ignorais qu'un homme pouvait crier comme ça. Souffrir à ce point. Racontez-moi ce qui s'est passé, en détail. Ils les ont pris. Ils les ont tous pris. La nuit commençait à tomber. D'habitude, on entend les crapauds à cette heure. Mais pas ce soir-là. J'ignore ce qui s'est passé. Mais j'ai entendu Hendrik hurler de terreur, puis supplier. À la fin, il n'arrivait plus qu'à gémir. Terreur est vite repartie, mais le village a gelé comme en plein cœur de l'hiver. Vous étiez dans cette chaumine ? Non. Et ne comptez pas sur moi pour y mettre les pieds. Au revoir. Que les dieux vous protègent. Les traces de pas sont cernées de glace. Ils l'ont torturé. Ils ont peut-être négligé un détail. Voyons ses poches. Le pantalon est rigide, comme si on l'avait mis à sécher en plein hiver. Je vais regarder dans son gilet, on ne sait jamais. Il est froid comme la mort, il n'y a rien ici. Voyons un peu ses potes. Du sang coagulé, une clé cachée dans sa botte. Il ne reste plus qu'à trouver sa serrure, pas trop loin, j'espère. Je sens un courant d'air. Il doit y avoir une pièce là-dessous. Un peu de ménage s'impose.
Intéressant. Un registre, paiement pour un sac de grains, montant dû pour une livraison de charbon. Hendrik se faisait passer pour un marchand. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Des notes cachées dans le registre. Plutôt rusées. Voilà des titres intéressants. Avis de recherche, le sujet a été aperçu à Skellig et Novigrad. Apparence inchangée, cheveux cendrés, cicatrices au visage. Évite le contact avec les autres. Cochon ivre. Le soi-disant baron a hébergé le sujet dans son château, ou fortin occupé illégalement, devrais-je dire. Raison inconnue. Interroger le baron à Perchefreux. Accrochage avec une sorcière. Le sujet a atterri dans les marais et y a croisé une sorcière. Résultat, conflit, raison inconnue. Trouver la sorcière. Parler aux paysans du village de Aubreuil. Prudence de rigueur. Quelqu'un m'observe. J'ignore qui et pourquoi. J'ai remarqué des signes troublants. Le chien a filé. L'eau des seaux a gelé. Étrange lueur dans le ciel. Un mauvais présage d'après les paysans. Ils ont appris qu'Hendrik recherchait Ciri. D'où la torture. J'arrive trop tard. Le baron et une sorcière. Voilà mes seules pistes. Merde.